Alors, balade lundi matin, 4 janvier, sur les chemins de la commune de Genasse, emmené par Guy. Voilà, promenade aérante avant une semaine difficile, certainement. En 1615. Il y a des gens dans la guerre qui ont... Là, c'est muré, là. Hein. Ouais, il reste plus d'abord. Ils l'ont condamné avec une plaque. Donc c'est le château de Vennes, hein, c'est ça? De Vennes, ouais. On n'a pas donné d'accord, rien. Alors on est là à Souvenas. Oh là là, non, il y a une éternité que je suis pas venu, hein, par ici. Oh là là, il y a une éternité que je suis pas venu par ici, hein. Oui. Venez. Alors, qu'est-ce qu'il a ce chêne? Eh bien, ce chêne est très vieux. Il a environ 360 ans. Voire 360, voire 400, parce que bon, j'ai fait un peu la louche. Tu te trompes pas beaucoup, hein? Ouais, non. Tombe. Les tombes de Genasse. Eh ben, je ne suis jamais venu ici de ma vie. D'accord. Il était temps, hein? Ouais. Oui, jamais. Vaut mieux. Ah, nous sommes à l'étang de Matan. L'étang de ma terre, l'étang de ta mère. Alors l'étang de Matan. Dernière venue ici pour la Saint-Raffetou, début septembre 71. La vogue des conscrits. On faisait le bal à Matan. Voilà. Et je me souviens de ce pré où, quand nous étions gosses, on venait en sortie scolaire. Famille, barge ferme, barge fermée. Promis à la démolition. Ainsi que ce bâtiment-là. Voilà. Bâtiment qui va tomber pour faire des habitations.